Oh, si seulement il y avait une éclaircie. Il n'y aura pas d'éclaircie. Ben, on aurait pu suivre les boulevards jusqu'au Père Lachaise. Alors, vous venez me chercher à la force pour m'emmener au Père Lachaise. Bon, sérieux. Je pense à une chose. Quoi? Et si on allait au musée? Pourquoi faire? Pour regarder. Vous connaissez pas le Louvre? C'est à voir au moins une fois. Bon. Étienne, Claude. On s'en va. Oui, on va pas moisir ici. Justement, ça calmera tout le monde. Bah oui. Allez, viens. Oh, venez voir ça, ça vaut la peine. Ils ont tout mis sur la table à la fois, c'est drôlement servi. Eh bien, j'espère que ça vous mettra en appétit pour tout à l'heure. Oh, celui-là qui dégobille. Oh, et celle-là qui a rosé pissenlit, là. Oh. Hé, venez par ici, il y en a eu des bâtons. Ça, c'est tapé. Regardez la mariée. Mais elle ne sait plus où se mettre. Ma parole. On dirait que de se marier, ça l'a rendue vierge. Oh, pas les gosses. Emmène-les à côté, il y a des tableaux de bataille. Allez. Hé, venez par là, c'est encore mieux. Avec un signe, vous vous rendez compte? Moi, je sais bien que ça se passe dans l'Antiquité, mais enfin, quand même. Ça vous plaît? Oui, j'aime mieux. Parce que ça raconte quelque chose. Oh, j'aurais pas voulu être là. Ah, j'aurais bien voulu. Qui est cette dame? La liberté. La liberté. Ah non, il n'était pas comme tout le monde. Je me disais, et pourquoi est-ce qu'il tient tant à l'avoir pour une noce? Il est pas gay? Il ne fait pas rire le monde? Il a l'air de penser à autre chose. Et puis tout à coup, je me suis dit, ça doit être parce qu'il l'estime bien.